Yes, les chums, Cédric Légaré. On est aujourd'hui au round 3 du MCC. On est du côté de l'autodrome Montmagny. Il a mouillé hier, fait qu'on n'a pas pratiqué. On a fait du simulateur en masse. Ce matin, il mouillait assez un petit peu. Mais là, c'est en train de sécher. Les programmes vont sécher encore plus la track. Les pratiques s'en viennent. Ça va être une journée de malade parce que j'ai roulé toute la semaine. Mais je suis pratiqué vraiment beaucoup. Fait qu'aujourd'hui, ça devrait être une grosse journée. On va donner tout ce qu'on peut pour aller chercher un podium aujourd'hui. Là, c'est le temps. Le char va bien. Il brise plus. Le char est fiable. Je trouve que notre niveau d'équipe, tout le monde ensemble, on a tout upgradé cette année. Ça va être une grosse journée. On y va et on donne le tout pour le tout aujourd'hui. Let's go! Première pratique, on a changé notre setup d'alternateur. Je pense qu'il y avait de quoi qui accrochait dans le strap. La strap d'alternateur a débarqué. Premier réchauffement de nos pneus. Fait qu'on est revenu au pit, on a réparé ça. J'ai eu le temps de juste faire un tour de pratique. Non, c'est pas vrai, j'ai fait deux tours. Premier tour, j'ai initié trop haut. On a sorti du premier bang. Deuxième tour, je pense qu'on était à la bonne place, on a une bonne ligne. Il reste du fine-tuning à faire sur la suspension. On va aller chercher un petit peu plus de grip encore. Mais le char est sa coche, puis le setup est sa coche. Fait qu'un petit peu de fine-tuning, puis on va être prêt pour la deuxième pratique. J'avais envie de te faire une petite entrevue, mais je le ferai pas. Ouais, Terminé, on a fait deux runs, c'est sensiblement pareil encore, on a fait 76, 75. À 76, ça ne nous a pas classé dans le top 8. Cette année, la nouveauté, c'est que les top 8 sont lockés.
Après ça, on sort bas pour faire de 9 à 16. Donc, on n'a pas classé 8e, on a classé, je pense, 9 ou 10. On a fait notre deuxième run. Le deuxième run était sensiblement pareil. Fait qu'on n'a pas eu plus de points. On a fait 75. On va attendre les résultats, voir on va être classé comment pour le début des battles. Twin Turbo 100% carbone. Il roule pour l'équipe Le Carré du Team aux couleurs de STL Metal. LTD Kilowatt. Constant carbone pour réaction. Du chauffage. Il cover maximum de niveau 97. Le Cédric dégagé. Bon, ben récap les chums, mais on a encore donné tout ce qu'on pouvait. On a encore affronté Yuri en top 16. Yuri, c'est un excellent pilote d'expérience. On a tout donné. Un petit peu de difficulté sur mon drag avec la nouvelle cloche qu'on a mis. Je pense que c'est trop agressif. J'ai de la misère à avoir un point de friction. Fait que on slip au départ. Et j'ai eu de la misère encore à m'ajuster avec ça. C'est trop on-off. On a mis une Tilton 4 disques. Puis normalement, c'est pour des shorts de drag de 2000 forces. Parce qu'on a de la misère avec les autres. Bref, on a perdu en top 16 contre Yuri Lévesque. Je suis pas fier pareil parce qu'aujourd'hui, le seul trouble qu'on a eu, c'était une strap qui débarquait, une strap d'alternateur. On l'a débarqué deux fois. Après ça, on a changé le tensionneur de place. Puis elle a plus jamais redébarqué. Le char, il n'y a rien qui a brisé. Les morceaux sont tous encore là. On a mis un nouveau bumper en carbone hier soir. Tout est encore là, tous les morceaux sont là. Le char est impeccable. Fait que là, on met ça dans le trailer et on se prépare pour le 44 à Icar.
qui va être le 31 août. Je veux vous dire un immense merci d'avoir embarqué dans notre projet avec LDT Giveaway. On fait tirer à 317 vendredi le 16 août. Vous êtes des malades. Vous nous avez beaucoup encouragé dans ce projet-là. Je suis content d'ordonner à mes abonnés, au monde qui nous suit depuis le début. J'ai hâte de donner le grand gagnant. Puis je vous promets un super beau LDT 02. Je vous dis merci, chum, de nous suivre. Je vous dirais d'aller vous abonner sur toutes les plateformes pour voir ce qui s'en vient. Il y a beaucoup de contenu qui s'en vient. Puis je vous dis à la prochaine. Où est-ce que tu fais semblant? Hein?